Ah, oh, y a quelqu'un sur la droite. C'est une très très belle balle là qui permet aussi d'affaiblir les adversaires. Ah, dommage, ça manque de roues. Pas de pression, c'est le bot, ça, tu l'as reconnu. Oh, il est en situation de 2v1, ça y est, c'est la dernière équipe. Et c'est YQ qui chope le ticket. GG YQ. Wesh, tu vas bien ou quoi? Bien, toi? Ça va super. Bah écoute, je t'invite à mettre ready. Je vais mute et puis on te regarde. Tu as toutes les stratégies, toutes les cartes en main. Tu peux spawn safe, tu peux spawn aggro. On te regarde. Ne te mets pas la pression, c'est tout. Allez, good luck, Makai. Je saute direct. Notre collègue, il a sauté aussi. Je sais pas où il va. Il va peut-être à Misty Mido. On va foncer sur les E-Lake pour se suicider et être sur la POV de notre collègue. Je rappelle, top 1, 5 kills pour YQ pour remporter le défi. Et maintenant, nous sommes enfin sur la POV de notre participant de la soirée, messieurs dames. Et donc, non, en fait, il est allé se stuffer. Il a choisi d'aller à discothèque. Aïe, aïe, il a deux fois le même pompe au sol, mais il se résout de récupérer quand même le pompe improvisé vert. Il est vraiment sur une strat patience, là, du coup. Il pourrait même aller en vrai à Flush Factory. Il a la zone pas trop loin, ça va. Là, il est vraiment sur une stratégie où il va se stuffer first et ensuite aller se jouer des gens. Mais c'est vrai que là, c'est pas le stuff de la vie. Hein. Il pourrait même aller à la station service à côté. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait en first en vrai. Oh, il y a quelqu'un sur la droite. Ok, il s'en est rendu compte, ça va. Je sais pas si par contre la personne s'enfuit ou se rapproche. Apparemment, ça se rapproche. T'inquiète, il va choper l'espace. Ok, c'est parti. Premier échange, il boite avec ce petit chapeau. Il va tourner autour de ce premier adversaire. En vrai, il peut le pénaliser. Hein. Il peut le puanter avec cette flèche. Pour commencer à conditionner, faire déplacer son adversaire. Pour elle, il est vraiment au front. Hein. Pourquoi il continue à prendre de la hauteur? Pourquoi il tire pas? Aïe, aïe, dommage cette balle. Après, il y a aussi le facteur stress. Hein. Faut qu'on se le dise, messieurs, dames. Allez, 62, c'est gratuit. 156. C'est une très très belle balle là qui permet aussi d'affaiblir les adversaires. Moi ça me fume, pourquoi il reprend de la hauteur? Absolument. Oh non, ça impulse! Ça a pu le faire tomber dans ses propres failles, dans ses propres grenades. Allez, tu rates pas celle là, 104. Ça récupère le body. Le space 12 qui fait son effet. Allez, petit décal sur le deuxième, c'est bon. Situation de 1v1, ça prend la hauteur. Bien tenté celle là. Dommage, le chapeau était pas prémédité. Ça a pu posséder le contre instantanément. Il a plus de bulles. Il a plus de bulles, ça y est. Il a plus de bulles. C'est son premier fight de la soirée, messieurs, dames. Oh, l'edit intéressante pour le faire tomber. Il peut prendre. Ok. Il décale. Il n'a pas de bulles. Il peut ni bloquer. Il peut rien faire. Ok, c'est bon. Ça met 5 dégâts. C'est pas dingos. Oh oh oh. Il est passé dessus. C'est des d'escalier qui sont favorables à son adversaire. Moi, je pense qu'il devrait quand même profiter pour casser le mur, ce genre de choses. Essayer de récupérer un peu de bulles, mine de rien, de casser les toilettes. Ok, c'est propre. C'est très très propre comment elle a récupéré son adversaire de cette manière. Deux premiers kills pour notre YQ. Du coup, il lui manque plus que 3 et le top 1 pour remporter le défi. On rappelle, il doit faire top 1 et 5 kills pour remporter le Piracas. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne un sub. S'il est déjà sub, il remporte 500 V-Bucks. Ah, dommage, ça manque de roues. Sur canne à pêche, pêcher. On peut potentiellement trouver un poisson bouclier. Mais ça va, là, il a du bulle. Là, il a 900 de bulles, c'est ok. Il peut fouiller le milieu, il peut prendre la tour au milieu. Ok. Allez, rotation, il va sur la nouvelle zone. Enfin, la grosse potion. Parfait. Là, il est dans des bonnes conditions. Il a perdu un tout petit peu de bois. Il va continuer à se looter. Il y a pas mal de briques ici. Comme ça, il fait une transition. Il se ressource encore un petit peu. Il a des adversaires. Allez, la flèche. Dans la tête. Ah non, c'est le bot. C'est le poussin. Il est pas ouf. Ok, petit check de du bush. Oh, what? Effectivement, ça n'a pas couvert tout le bush. Il l'a bloqué, ça c'est propre. Il prend la hauteur, il avait une édite dessus, mais malheureusement, il va pas en profiter. YQ qui commence à se séparer gentiment du sol en prenant beaucoup de hauteur. YQ qui se retrouve en situation de 2v1, récupérer une petite balle sur cet adversaire, mais malheureusement, c'est bien finish. C'est très bien récupéré ce sol, mais malheureusement, il est en confinement. Oh, cette balle bien tentée, très très comment dire, exotique, très très couillu. YQ Uzumaki, il faut qu'il place ses deux popos pour avoir. Enfin, de la marge sur cet adversaire. Ok, il a mis pas mal de dégâts. Oh, propre les édits. Oh, non, dommage. Allez, YQ. La décale. Oh, ça rentre dans la box. Edition. Pas de béguillage. Edition. Ok, c'est bon, le sol, c'était une bonne alternative. Side jump. Dommage. J'avais envie d'y croire. Il se retrouve en 1v7. Ça rentre dans la box. C'est bon, ça commence un petit peu à casser les couilles. Tant que le. Oh, c'est bon. Il le knock en même temps avec les dégâts de chute, vite fait, sans prendre ou sans craindre de mort. Son pote qui va le rejoindre, mais c'est bon, il a une menace en moins. Prendre de la hauteur peut-être, voilà, changer un petit peu de situation et de position, de continuer à se remettre, un peu de popo. Monsieur Dab, c'est dit avec ce mur, il n'a pas, il peut choisir aussi l'option du sol. Le travers, peut-être, non, même pas sur cet escalier jaune. Ok,
Ok. Pas de pression, c'est le bot, ça, tu l'as reconnu. Si tu tues le gars, tu tues le bot, et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça serait bien une nouvelle. Oh, c'est propre, ça. Il le bloque très très bien avec ses sols, ses chapeaux, ses murs. Ah ouais, les side jumps qui sont tentés en balle, par contre. Mais ça ne touche pas. Ah, c'est propre. Dommage, 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 dommage. Je l'ai vu sur des dégâts de chute. Là, il commence à perdre énormément de bois. C'est la méga misère. Peut-être trouver un petit angle de vue. Un petit shot. Oh, c'est bon, celui-là. 21. Allez, tu le fusilles. Il a pas l'air. Oh, c'est bon, c'est gratuit. C'est gratuit, il meurt dans la tempête. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de bullies. Il essaie peut-être d'aller récupérer du stuff sur la carte de son coéquipier. Mueki Uzumaki qui va peut-être commencer à casser les couilles de cet adversaire. Tu l'as vu, c'est la balle. C'est 68, c'est bon, c'est fini. C'est fini, c'est dans la zone. Il va avoir le kill confirme. Sun Tsun, il est déjà à 4. Peut-être le 5ème maintenant. Je ne sais pas. J'ai pas vu en tout cas la couleur bleue de son pseudo dans la kill feed. En tout cas, il est plutôt serein parce qu'il a besoin que d'un seul kill pour pouvoir valider le premier objectif sur 2. Dommage pour cette balle, le double 3. Oh là là, let's go le laser. C'est bon, c'est validé, les 5 kills. On rappelle maintenant, il a besoin que de faire le top 1 pour remporter ce double. En tout cas, ce défi, le pire à casse, vous êtes en train de regarder. 90 au sol, peut-être se le prendre. Non, même pas, ça peut être un peu de gourmand. Dommage. Dommage. Prendre cette répulsive pour la craquer. Il est en situation de 2v1. Ça y est, c'est la dernière équipe. C'est absolument la deuxième équipe. Peut-être l'édition, le pré-shot, la réédite, la V2. Non, même pas. Attention. Ok, ok. Pas de dinguerie, pas de dinguerie. YQ, pas de dinguerie. Peut-être notre premier participant et peut-être aussi notre premier vainqueur de la soirée. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. S'il met au moins les deux kills, il aura un petit confort de 6 kills pour la soirée et être le premier prétendant à la victoire ultime. YQ sur l'édition, il est en train de se mettre bien. C'est bon, voilà, tu la cancel. Son kit plus les 33 dans le bleu. Faut mixer, faut mixer, faut mixer. Allez, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu as peut-être le mur aussi sur l'édit. Ah, il a pas t'as pas la décale de droite comme ça. Là, t'as la décale de droite, c'est bon. Avec le mur, hop là, il le met juste à point. Et le 5A, c'est bon. C'est plus que la dernière équipe. Il lui reste les situations de 1v1 pour remporter le défi. YQ qui a rien du tout, à un seul kill. On n'espère pas de fail sur ce dernier adversaire qui n'est pas allé le jouer, qui n'est pas allé le chercher. Je pense même que c'est plutôt free, gratuit. Il va avancer, c'est bon. Il est dans la pampa, c'est gratuit. La petite flèche pour le beau jeu. Ah, il bulle même pas, c'est gratuit. Je pense que YQ est notre premier vainqueur de la soirée, messieurs, dames. Et oui, c'est gratuit, hein, il l'a vu, c'est complètement gratuit. YQ, 7 kills, le top 1. C'est ça, je vérifie bien. Et de l'esca. En 4, pas une grosse balle, pas une grosse balle, pas une dinguerie. C'est bon. J'ai fait YQ. Premier top 1 de la soirée, 7 kills, messieurs, dames. Solide, on the flux, underground. Très, très bien joué à lui. Nous avons notre premier prétendant au trône ce soir. BG en tout cas, solide mon gars. Hey, vous avez aimé la vidéo? Alors, mettez un j'aime et abonne-toi à la chaîne des Pirates Stacks.